Hello tout le monde, alors on continue dans la série cartes Pop-up Cœur avec ce nouveau modèle. Donc cœur, un seul cœur en 3D avec des formes un petit peu géométriques pour faire la 3D. Ouais, ici je le mets comme ça, vous voyez ce sont des bandes qui ressortent dehors. Donc un autre style aussi également très sympa. Alors on y va. Alors tout d'abord vous allez plier une feuille en deux. Pour correspondre à la taille du cœur que vous souhaitez faire et vous tracez un demi-cœur. Alors, je vous explique les bandes après. Moi, ce que je vous préconise déjà, c'est de couper le cœur pour voir si la forme vous plaît. Parce qu'éventuellement, si la forme ne vous plaît pas, vous pouvez la réajuster, faire le cœur plus ou moins arrondi. C'est parfois difficile de se rendre compte, juste en traçant un demi-cœur, la forme finale qu'il aura. Alors, on regarde ici, la forme me plaît bien, mais après chacun son cœur. Alors ensuite, il va falloir venir tracer des bandes, voyez, comme on voit ici, à l'intérieur du cœur. Alors moi, j'ai fait des bandes de 8 mm, vous pouvez faire des bandes de 20 cm, j'en ai fait 4, vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 5. Peu importe. L'important, c'est que les bandes ici soient bien perpendiculaires au centre du cœur. Donc, je vous invite à utiliser une équerre. Et puis, il faut évidemment ici tracer aussi une bande parallèle. Ce qu'on va venir, vous allez voir après, plier ici. Donc, et ici, surtout, on ne coupe pas. Donc, ça fait vraiment des bandes où ici, on s'arrête. Je vais rapporter la caméra. On s'arrête droit, la ligne ici parallèle à celle-ci. Et ici, la bande bien perpendiculaire au centre du cœur. Donc ensuite, une fois qu'on a tracé ces bandes, on va simplement venir découper les traits. Donc on y va. Attention de ne pas aller trop loin pour ne pas découper le cœur. On veut que les bandes restent à l'intérieur et ne sortent pas. Voilà, donc j'ai découpé les bandes. Ouais, je me suis arrêtée au trait ou un petit peu avant le trait. Et on vient replier ensuite les bandes. Donc on essaye d'être vraiment dans la même ligne de ce qu'on a tracé. Et les bandes bien parallèles les unes aux autres. Ça me paraît pas mal. Donc une fois qu'on a déjà marqué le pli, on vient les remettre de l'autre côté. On ouvre le cœur. Et là, vous pouvez vraiment laisser vos marques, hein, parce que de toute façon, ils seront collés ensuite, en recouvert. Donc c'est pas un souci et on vient finalement faire ressortir les bandes qu'on vient de marquer. Donc vu qu'on a fait les plis, ça facilite cette étape. Donc on y va quand même délicatement. Vous voyez, donc c'est une bande, finalement une bande sur deux qu'on fait ressortir. On n'hésite pas à marquer les plis. Voilà. Et notre carte, elle est presque finie. Vous voyez, on a notre cœur géométrique, on va dire 3D. Et on va simplement venir mettre un fond. Donc là, j'ai choisi un fond bleu. Donc, petite chose avant de coller, on vérifie qu'une fois plié, les bandes ne ressortent pas. Là, ça va, ça tient. Vous voyez qu'une fois que j'aurai la carte fermée, ça ne ressort pas. Si vos bandes ressortent, simplement, vous prenez un papier plus grand, hein, c'est pas grave. Et puis, vous adaptez la taille, c'est pas un souci. Et donc maintenant, on va venir coller. Donc je vous suggère de coller un demi-côté à la fois. Donc on vient mettre de la colle sur la partie qui restera collée à la carte. Voilà. On fait attention parce que si vous êtes vraiment proche du bord. Au niveau de votre découpe, c'est un petit peu sensible si votre papier est fin. Donc on se met bien au centre ici, hein, parce que quand on va devoir l'ouvrir, on va falloir que ça s'ouvre au centre. Donc là,
le cœur bien au centre. Moi, j'aurais pu être légèrement plus centrée. On met de la colle sur la partie qui va rester. Donc, pas sur les bandes qui sortent. On ferme. On appuie un petit peu. Et on regarde le résultat. Et voilà, notre cœur 3D. Donc maintenant, à vous de choisir vos couleurs, votre taille. Et puis, à vous!